Salut tout le monde, aujourd'hui, quatrième vidéo que je vous tourne de la journée, je suis pumped up. Je voulais vous parler des annales akashiques. Il y a quelqu'un qui a posé la question de comment aller dans les annales akashiques. Et depuis le temps que je reçois ce genre de questions, je m'étais dit, je vais en faire une. Alors, les annales akashiques, c'est comme le voyage astral. Déjà, la question à se poser, c'est pourquoi on veut y aller? La deuxième chose qui est très importante, c'est de savoir que les annales akashiques, c'est pas la bibliothèque municipale. Que... on n'y va pas comme on a envie d'y aller, on va pas emprunter des livres. Excusez-moi, je voudrais le livre de Jésus, s'il vous plaît. Oui, tiens, bien sûr, tu es qui hein? Tu as juste envie de le prendre comme ça? Vas-y, je t'en prie. Ça se passe pas du tout comme ça. Les annales akashiques, moi, la façon dont je les ai vues, c'était une bibliothèque une ronde et extrêmement grande, et comme avec une sorte de colimaçon à l'intérieur, en sorte de bois. C'est la petite anecdote design. Et les seules fois où j'y suis allée, où on m'a autorisé à y aller, c'est quand on m'a dit « va chercher des infos à ce niveau-là » et sur ces personnes-là, c'était en soins, mais ça a été très rare. Je pense que beaucoup de personnes qui font des lectures akashiques, par exemple, ne font pas des lectures akashiques, mais font des lectures peut-être des mémoires cellulaires et karmiques. C'est beaucoup plus plausible parce qu'on peut avoir accès facilement aux mémoires cellulaires d'une personne, mais que ne rentre pas qui veut dans les annales akashiques. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui croient réellement qu'elles rentrent dans les annales akashiques, mais qu'en fait c'est pas du tout le cas. Il y a des infos qui sont données. Je pense que pour vous donner un ordre d'idée, ça m'a été donné 4 fois d'avoir accès aux annales akashiques, dont une fois pour moi, où on m'a laissé lire une partie de mon livre par rapport à ce qui était utile que je sache sur l'instant. Maintenant, peut-être qu'il y a des gens chez qui on leur montre des choses sous forme de livre parce que c'est comme ça qu'elles vont mieux le comprendre ou mieux le transmettre. Donc peut-être qu'on leur montre écrit pour que, parce qu'elles ont elles enregistrent quand elles voient ça, une mémoire visuelle. Voilà, elles ont une mémoire visuelle et par conséquent, on leur montre des flashs comme ça. Néanmoins, rentrer dans les annales akashiques, comme je vous l'ai déjà dit, ça ne se fait pas du tout comme on rentre à la bibliothèque municipale. Comme je vous l'ai dit aussi, il y a des moyens d'avoir peut-être des flashs d'annales akashiques, qu'on nous passe des infos précise sur quelqu'un quand on est en soin ou sur soi par exemple, mais c'est pas forcément vous qu'on va laisser rentrer dans les annales akashiques. Donc vous pouvez faire des méditations comme par exemple celle que j'ai faite pour rencontrer ces guides. J'essaierai de vous la mettre en barre d'infos, sinon vous tapez juste Joanna Awakening rencontrer ces guides, vous allez trouver plusieurs vidéos à ce sujet, et je pense que vous pouvez avoir des messages sur vous provenant des annales akashiques que l'on va vous donner, mais c'est pas pour autant qu'on va vous laisser rentrer dans les annales akashiques. Voilà, j'espère que ça répondra à vos questions sur le sujet. Si vous avez quelconque autre question auquel je n'aurais pas répondu pendant cette vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À très bientôt.